La comtesse Caramel de la Cigalelle, amie fidèle du Père Noël, ouvre un livre argenté pour nous conter une histoire enchantée. Il était une fois, dans une contrée éloignée, un petit village enneigé. C'est ici qu'habite cet être exceptionnel que l'on appelle le Père Noël. Le grand jour approche, au coin de sa cheminée, il liste tous les cadeaux commandés pour que ses lutins puissent les fabriquer. Ces lutins s'appellent les très heureux, parce qu'ils sont très heureux. Grâce à la tacatacatique, une machine fantastique, ils fabriquent tous les jouets et confectionnent de jolis paquets. Ils viendront jusqu'à vous, non loin de vos genoux, pour fabriquer un doudou très doux. À la nuit tombée, fatigués, les très heureux vont se coucher. La lune luit, les étoiles scintillent, c'est la nuit. Au lever du soleil, nos très heureux se réveillent. Ils découvrent alors très émus que la tacatacatique a disparu. Heureusement, le Père Noël connaît sa perlipopette, un magicien super chouette qui saura mener l'enquête. Et voilà devant vos garçonnets et fillettes le grand sa perlipopette. Grâce à ses grands pouvoirs, notre magicien retrouve notre coquin. C'est Bisque-Bisque, un sorcier peu sympathique qu'il connaît bien. Pour récupérer la tacatacatique, une seule tactique, une formule magique. Quelques tours de magie et tous les ingrédients sont réunis. Notre potion est prête. Dans le plus grand silence, notre magicien s'élance dans la demeure de notre voleur. Il absorbe la potion et disparaît. C'est alors que Bisque-Bisque fait son entrée. Sous ses yeux effarés, c'est la tacatacatique qui disparaît. Bisque-Bisque rage. Il est grand temps de s'en aller. Sa perlipopette et les enfants ont accompli leur mission. Le Père Noël et les très heureux les remercient en chanson. Ainsi s'achève l'histoire de la comtesse Caramel de la Cigalelle. Un très heureux